Bonjour les amis, je suis trop contente, j'ai reçu un colis de Steph Color. Hello my friend, I'm so happy, I received the package from Steph Color. Alors c'est un nuancier personnalisé, je vais tout vous expliquer sur cette nouveauté dans la boutique de Steph Color, les nuanciers personnalisés, et évidemment je vais vous montrer toutes les pages. It's a personalized color chart book, so of course I'm going to give you all the explanations about these novelties in Steph Color's shop, but first I'm going to open the package. I have a note. J'ai une petite note ici. Coucou Barbara, en espérant qu'il te plaise. Merci Stéphanie. Oh, trop merci. Trop merci Stéphanie. I have a note saying, hello Barbara, I hope you like it. Thank you Stéphanie. Oh, thank you so much Stéphanie. My God. Oh là là. Regardez-moi ça. Pour être personnalisé, il est personnalisé, il y a mon nom dessus. Look at this. How personalized it is. There is my name on it. Oh my gosh. Oh là là, c'est trop, trop beau. Deux petites pochettes qui vont avec. There are two little pockets here which are going with the color swatch book. I'm going to show everything to you. Je vous montre tout ça, donc ici, le nuancier personnalisable de Steph Color, c'est si vous avez vu un nuancier que vous aimez dans sa boutique, mais qu'il n'y en a plus en stock, eh bien vous pouvez lui commander. Ici, moi j'ai demandé le Harry Potter, parce que je suis trop fan de Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, la petite chouette Edwige qui est dedans. Et alors, le mieux dans tout ça, c'est qu'il y a des petites lumières. Je peux allumer ici le petit cadre. So, this is a personalized color chart. So, what does that mean? It means that if there is a color swatch book in Steph Color's shop that you like and it is out of stock, you can order one. And of course, Steph needs a delay to make it, especially for you, but you can order it anyway. So, I've chosen the Harry Potter one because I really like the universe of Harry Potter, as you know. So, what is wonderful? You see here, we have Edwidge, the owl, and there is a button here, and I can switch on the lights here, inside this. How wonderful, it's so beautiful. Alors, la couverture est vraiment très dure et très solide. The cover is very hard and very solid. It's like a leather cover, hard cover, we would say in English. Voilà, c'est une couverture en simili-cuir, vous voyez, et les petites choses qui sont dessus sont en relief, as you can see. This is in 3D, and it's spiral bonded with a metallic spiral, very solid too. And here are the first pictures from Harry Potter universe. Et ici on a les magnifiques premières images de l'univers de Harry Potter, le Patronus de Serre, la voix 9 3/4. Alors ce nuancier que Steph m'a envoyé, c'est le nuancier autre médium, donc vous avez des pages pour faire vos nuanciers de crayons aquarellables, peinture, aquarelle, stick aquarellables, vos encres, vos crayons pastels, vos pastels secs, vos pastels à l'huile, vos feutres, vos marqueurs et autres petits matériels. Donc c'est extrêmement complet, je vais vous montrer toutes les pages. This is a color swatch book of other media. So you have watercolor pencils, paints, watercolors, watercolor sticks, ink pads, pastel pencils, soft pastels, oil pastels, felt pens and markers and other art supplies. So it's very, very complete and you have different tabs to find all the supplies you want to put in this color swatch book. Et voilà, ici vous avez toutes des petits intercalaires qui vous permettent de retrouver facilement les différentes sections de votre grand livre de nuancier. Alors, first section is watercolor pencils. La première section, c'est mes crayons aquarellables. Et nous avons déjà un nuancier ici, tout prêt, avec les noms déjà marqués pour les Albrecht Dürer. Donc, les Albrecht Dürer, c'est ceci. Je les ai, c'est trop bien. Je vais pouvoir me refaire un nuancier Albrecht Dürer sur ce très très bon papier. C'est du papier Clairefontaine à dessin 120 grammes. Donc, Steph Color a mis un vraiment très très bon papier dans ce livre de nuancier. So, here we have the color chart with all the names of the Albrecht Dürer watercolor pencils, the full box, 120 pencils, and it's a very good paper. It's a Clairefontaine drawing paper, 120 grams. And then we have the museum Carandash, 76. Ensuite, on a le nuancier des museums de Carandash, c'est celui-ci.
Je viens de les recevoir en cadeau. Je suis trop heureuse. Je vais pouvoir immédiatement les mettre dans mon nuancier. I just received this box as a gift from a dear friend, so I'm so happy I will be able to place all my colors here in this color swatch book. My God, I'm so happy. Oh là là, je suis trop, trop contente. Merci, Steph. Franchement, c'est énorme. C'est énorme ce que tu m'as offert là. Ensuite, on a les Derwent Intense. Ils sont ici. Then we have the Derwent Intense. Here they are. There are 72 pencils. Voilà, il y a 72 crayons qui sont tous indiqués là. Ensuite, on a les Derwent Graphite Tint. Then we have Derwent Graphite Tint. There are 24 pencils. This time, you have already all the names. All you have to do is to fill the little squares here to have your colors. Voilà, c'est trop bien fait. Vous avez déjà toutes les couleurs et il vous suffit plus que de remplir les petites cases. J'adore, c'est trop beau. Ensuite, vous avez deux pages blanches où vous pouvez mettre d'autres crayons aquarellables que vous avez. Then you have two blank pages. Well, four blank pages because it's front and back. C'est recto verso, donc en fait, vous avez quatre pages. You have four pages when you can add your other watercolor pencils, which are not in this kind of color swatch. Steph Color appelle ça la version non codée et vous pouvez trouver ces versions-là à la page. Vous pouvez les acheter à la page dans sa boutique et alors elle vous les envoie déjà pré-perforées et il vous suffit de les clipser à l'intérieur du classeur, donc vous pouvez avoir plus de pages, bien entendu, si vous le souhaitez. So these are the uncoded color charts, but if you need more, you can buy them open stock in Steph Color shop. So of course, I'll give you the link in the info box, and they come already perforated, and so you can clip them into the book here. That's really wonderful. So, second section, acrylics and watercolors. Alors, section numéro 2, mes peintures acryliques et mes aquarelles. Alors, on commence avec les Neocolor 2. We begin with Neocolor 2 from Caran d'Ache. Look at this here. I have a box of 40. I will be able to make my very first color chart of my Neocolor 2 here in this color swatch book. Voilà, c'est les Neocolor 2. Je suis aussi trop contente parce que je viens de les avoir. J'ai pas encore fait de nuancier de mes Neocolor 2. Et grâce à Steph, je vais pouvoir avoir une très belle feuille ici dans ce magnifique livre Harry Potter. J'adore trop les pages qu'elle a choisies. I love so much the pages that she has chosen. So if you order a personalized Harry Potter color swatch book, maybe you won't have exactly the same pages. Of course, it's handmade, so Steph is buying the pages in the theme of Harry Potter. But maybe it won't be exactly the same pages, but it will be the same kind of color chart. Évidemment, si vous l'achetez aussi en personnalisé le Harry Potter, c'est possible que vous n'ayez pas exactement les mêmes pages intercalaires, puisque c'est fait à la main. Donc Steph Color achète et commande les pages en fonction des commandes qu'elle reçoit. Donc ce ne sera pas nécessairement exactement les mêmes pages, mais ce sera tout à fait le même type de nuancier. Alors, qu'est-ce qu'on a après les Neocolor 2? What do we have after Neocolor 2? Oh, we have other colors if they complete the brand. That's wonderful. C'est génial parce qu'ici, en Neocolor 2, on a une page en plus, en fait. Jamais Caran d'Ache complète la gamme. C'est trop bien parce qu'on peut ajouter les nouvelles couleurs ici. C'est parfait, trop nickel. Alors ici, ce sont les Gelatos de Faber-Castell. These are the Gelatos from Faber-Castell. A page for them. A coded one. Voilà, une page déjà pré-remplie avec, pareil, des petits cercles en plus si jamais Faber-Castell complète la gamme. Ensuite, nous avons une page non codée pour les aquarelles. Then we have six pages. Oui, c'est pas une page en fait, c'est six. We have six pages uncoded for watercolor. So, I feel I'm gonna paint here. I have so many beautiful watercolors. Et des magnifiques aquarelles, donc je pense que je vais peindre là-dedans avec grand plaisir. Puis nous avons nos peintures acryliques, then we have our acrylic paints, six pages. Alors mettez vos peintures acryliques ici et pas vos Posca parce qu'il y a une section pour les Posca un peu plus tard. So, here you can put your acrylic paints, don't put your Posca pens because there is a section for Posca pens later. Ici nous arrivons à l'intercalaire suivant. Ce sont mes encres. Here is the next tab. It's my ink. Wonderful page of the Marauders map. Mapa de los Secretos. It's written in Spanish. C'est écrit en espagnol. Trop, trop joli. This is so beautiful.
So now we speak about distress ink. Alors, les encres distress, j'en ai 4. Donc, c'est trop bien. Je vais pouvoir les mettre, même si j'en ai que 4. Je vais pouvoir les mettre dans mon livre de nuancier. That's wonderful. I have only 4. But I will be able to put them in my color swatch book. Wonderful. Alors, on a les distress oxides qui sont légèrement différents des distress ink. Steph Color a fait une vidéo hein, sur les distress ink et les distress oxides. Donc, si vous voulez savoir tout sur la différence entre ces différentes encres, je vous mettrai la vidéo de Steph Color en barre d'infos. Ensuite, on a les autres encres. Donc, ça, c'est non codé. Vous pouvez mettre toutes les encres que vous avez. Then we have our ink pads. This is an uncoded page, so you can add all the ink pads that you have. Et l'onglet suivant, c'est mes crayons pastels. The next tab is my pastel pencils. Alors là, c'est trop bien parce que vous voyez, Steph a mis un papier calque ici. Que les crayons pastels, évidemment, ça se transfère. Et donc, vous pouvez remplir le nuancier crayon pastel et ce sera protégé par un papier calque. So, here is the page for the Faber-Castell Pitt Pastels. This is very well done because here Steph has put a tracing paper to protect the page. So, as you know, the pastels transfer on the next page because it's like chalk. And so, having this will prevent any transfer of pastel. It will stay on this ink and it will prevent any transfer of pastel on the other page. So, that's really wonderful. I have a few Pitt Pastels. Et I've bought them open stock to draw a realistic animal portrait. So I have a few of them and I really like them. J'en ai quelques-uns, les pits de Faber-Castell. Je les ai achetés en open stock, comme on dit en français déjà, à la pièce, voilà c'est ça. Je les ai achetés à la pièce pour pouvoir compléter mes portraits réalistes d'animaux. Je vais d'ailleurs vous montrer en avant-première celui qui est en cours, Iris de Animal Portrait. Which is in progress with the pastel pencils. It's a course of Sabine Lackner. Of course, I'll give you the link also in the info box. So I'm not finished, but I really like the effect. It's incredible. It's pastel pencils on pastel matte paper. Voilà, j'adore en fait les portraits d'animaux comme ça. Ça donne un aspect vraiment très très réaliste. Donc j'ai utilisé principalement en fait les Stabilo Carbotello et un petit peu de Faber-Castell Pitt. C'est un cours qui a été donné par Sabine Lackner. Pour les portraits réalistes d'animaux et j'ai vraiment adoré, j'ai presque fini mon chat, mais voilà, ce qu'on peut faire avec les crayons pastels, c'est trop chouette. Et ici j'ai utilisé du papier spécial hein. Pour crayon pastel, c'est le papier pastel mat. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout ça pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les crayons pastels qui sont dans cette section. All this to show you what we can do with pastel pencils which are in this section. Here you are the Carandash pastel. Ici, on a les pastels Carandash. On a les Derwent. Un nuancier codé. This is a coded color chart for Derwent. And here we have the Carbotello pastels. Color chart, that's perfect because the Carbotello is the box I have. Ça, c'est vraiment parfait. C'est les Carbotello. Ça, c'est justement la boîte que j'ai en crayon pastel. Ils sont ici. J'ai justement la boîte de 60. Donc, je vais pouvoir faire le nuancier. La boîte n'est pas complète parce que je suis occupée à utiliser la plupart des couleurs pour continuer mon chat. This is my box of Carbotello. It's not complete because all those colors, I'm using them to color my cat, to make my cat portrait. Comme tu peux le constater, Steph, ton livre de nuancier va m'être super utile. Je me fais un plaisir déjà de le compléter. Here we have uncoded page for pastel pencils. You see there is a tracing paper between each page. That's really, really well thought. C'est vraiment bien pensé. Hein. Vous voyez qu'il y a une page de papier calque entre chaque page du nuancier de crayon pastel. C'est extrêmement bien pensé. Franchement, bravo Stéphane. C'est épatant le travail que tu fais là. Ici donc on a plusieurs pages pour les crayons pastels non codés. Enfin, nous arrivons, enfin, mais on en a encore trois, regardez. Next one is soft pastels and oil pastels. Voilà, le suivant, c'est mes pastels secs et mes pastels à l'huile. Comme vous voyez, en fait, ce nuancier est bilingue. Et donc, ça, c'est vraiment chouette aussi pour nos amis anglophones. Ils peuvent avoir les titres dans leur langue. So, as you can see, this color chart is bilingual. So, all the titles are in French and in English. It's really wonderful. Alors, ici, on a les pannes pastels. Here we have
Le pan pastel, perfect. I have some too. J'en ai quelques-uns. C'est génial. En plus de voir la gamme complète, ça permet un petit peu de voir où on en est dans sa collection de pan pastel. Donc ça, c'est vraiment chouette. Seeing the complete range of pan pastel here, it's perfect to see where we are in purchasing our pan pastels. Comme pour les crayons pastel, vous voyez que Steph a mis une feuille de papier calque protectrice entre les pages. As you can see, Steph has added a sheet of tracing paper to protect the page because it's pastel too. Alors, on a une section pour les métalliques et une section pour les pearlations. We have a section for the metallic ones here and the pearlations one here. Wonderful. Alors ensuite, on a les pastels secs. Les pastels secs, c'est ça. Et ici, j'ai les Faber-Castell. So then we have soft pastels. Soft pastels, it's this. Here I have the Faber-Castell one. I also have the Mungio ones. So I will be able to make a proper color chart of them. Je vais pouvoir faire un nuancier de tous mes pastels. J'ai les Mungio, j'ai les Faber-Castell. Horace, tu miaules beaucoup. Tu veux venir nous voir? Arrête de pleurnicher, viens dire bonjour. Horace est mon nouveau petit pensionnaire, il a 8 mois. I don't know if you hear him. It's Horace. Horace is my new protégé. He's 8 months old. Oh, ben avec tout ça, j'ai même pas vu que j'étais passée sur les pastels à l'huile. Here we have the oil pastels. I don't have any oil pastels. Voilà, vous avez plusieurs pages non codées. You have a few pages. Uncoded one. Oh là 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 là, cette image est trop trop belle. This page, this tab is so beautiful. Oh my god. Steph, tu as extrêmement bon goût en fait. Quoi que tu fasses, c'est super joli. On a un détraqueur ici. We have a dementor here. You see his hand. But we have the train of Hogwarts here. On a le Poudlard Express ici. Pas sur un fond, cette image est trop trop belle. This picture is so beautiful. Alors, on est dans la section feutre aquarellable. Here we are in the section of watercolor felt pens. You have 6 pages for your watercolor felt pens. Then you have pages for alcohol markers. Ensuite, vous avez les pages pour les feutres à alcool. Alors, ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que Steph a utilisé un autre papier pour les feutres à alcool. Steph has used another paper. For the alcohol marker, it's Canson The Wall 200 grams paper for alcohol markers. Alors, pour les feutres à alcool, Steph a utilisé un autre papier. Donc, celui-ci, le papier habituel, c'est le papier 120 grammes, Clairefontaine Dessin. Et ici, c'est Canson. C'est un papier The Wall 200 grammes. Donc, c'est un papier encore plus épais puisqu'on sait que les feutres à alcool percent. C'est bien. Je vais pouvoir mettre mon nuancier là-dedans. It's perfect. I will be able to place my color chart of alcohol marker here. On a pas mal de pages. Hein. We have lots of pages. On peut en mettre pas mal des feutres à alcool. Ensuite, ici, on a une page pour les feutres, les fine liners. For example, this one. I have the triplus fine liner. Par exemple, ici, pour ceci, j'ai les triplus fine liners. On a pas mal de pages aussi. On a 6 pages pour les fine liners. We have lots of pages. Here we have 6 pages. I could also place my Stabilo Pen there. Je peux aussi mettre mes Stabilo Pen 68 ici. Comme ça, j'aurai un jour un nuancier de ces feutres. Alors, on continue notre découverte de ce magnifique livre de nuancier thème Harry Potter. Donc voilà, si vous avez bien compris le principe du personnalisé, vous pouvez avoir ce nuancier autre médium en thème Harry Potter. Mais évidemment, vous pouvez aussi demander un autre thème qui a déjà été dans la boutique de Steph Color et elle vous le fera dans un délai maximal de 4 à 6 semaines. Ici, on a une page pour les Posca et les marqueurs acryliques. Here we have a page for Posca pens and acrylic markers. We have 4 pages. On a 2 pages pour les gel pens. We have 2 pages for the gel pens. Ici, c'est les Spectrum Noir Sparkle. On a une partie codée et une partie non codée. We have a coded part and an uncoded part. We have a page for embossing powders. This is very, very complete. On a une page pour les poudres à embosser. C'est vraiment super complet. Ici, on a une page pour les stickles. Les paillettes de glitters. Et ici, on a des bonus. And here we have some bonus. Alors, en bonus, on a un cercle chromatique.
As a bonus, we have a color wheel, always useful. Thank you so much, Steph. C'est toujours utile. Merci beaucoup, Steph, dans un très, très joli encart ici avec des blasons. On a encore un autre blason et nous avons une enveloppe 9 3/4 avec le blason de Gryffondor ici. Here we have an envelope 9 3/4 with another, how do we call this? A crest. This is the crest of Gryffindor. And what do we have inside? We have samples of paper. On a des échantillons de papier pour pouvoir essayer différents papiers si ensuite on a envie de les acheter à la pièce. So it's really perfect because we have some samples of paper if we want to buy them open stock afterwards. Alors, on a le papier Derwent Intense, Strathmore Pastel, Strathmore Watercolor, Archer's Watercolor Satiné, Canson Mixed Media Imagine et Strathmore Toned Grey Mixed Media. So we have 6 samples of paper, Derwent Intense paper, very, very thick. We have Strathmore Pastel paper, Strathmore Watercolor paper, this one is very thick too. We have Archer's paper, watercolor, it's not grainy, it's very smooth. Then we have Canson Mixed Media Imagine and Strathmore Toned Grey Mixed Media. That's really, really wonderful. It's a wonderful bonus, Steph. C'est vraiment trop, trop bien, Steph. C'est un bonus magnifique. Et alors, ça tient avec un aimant. You see, it clips like this. Closes with a magnet. How clever. So, this is the end of the book, but it's not finished. I still have some things to show you. Voilà, c'est la fin du livre des nuanciers. Je vous montre la couverture de fin, qui est très solide aussi. Mais c'est pas fini parce que j'ai encore quelques petites choses à montrer. J'adore trop qu'il y ait mon prénom dessus, Steph. C'est trop génial, trop trop beau. I love so much that there is my full name on it. Oh, it's so beautiful. Thank you a million, dear Steph. Here we have 2 envelopes that you can scratch. You see there are swatches here and you can scratch them here. Il y a 2 petites enveloppes que vous pouvez attacher ici avec des scratchs. Donc ça tient à l'intérieur du livre des nuanciers. C'est aussi super intelligent hein, de pouvoir les enlever parce qu'effectivement, quand vous faites votre nuancier, par exemple, sur cette page-ci, si on laisse l'enveloppe, ce n'est pas plat. Et donc, c'est super intelligent d'avoir pensé qu'elles sont scratchées et qu'on peut les enlever. Et comme ça, quand vous faites votre nuancier, vous êtes sur une surface plane. So this is very, very clever to have fixed it with swatches because you see, when they are in, you can't make your color chart here because the paper is not flat. So it's very, very clever. You can remove them and so you have a flat paper to make your color chart. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ces jolies petites enveloppes? What do we have in these pretty little envelopes? You see how pretty they are? C'est vraiment une œuvre d'art. Hein? C'est pas un nuancier. C'est une œuvre d'art dans laquelle vous pouvez mettre vos nuanciers. Mais c'est pas juste un nuancier en fait. Alors, ce qu'on a, c'est 18 cartes perforé, painted, média, blanche. On a 10 cartes perforées, paint on, mixed media, noir. Et on a un anneau métallique pour les attacher. So we have perforated cards, a white one, 18 white ones, and 6 black ones. And we have a wheel to attach them together. Do we call this a wheel? 1 minute, I check. Oh, it's not a wheel, it's a ring. We call this a ring and so you can attach them together and you can make some color swatches with this, with the ring. It's very, very clever again. Voilà, c'est super intelligent à nouveau. Vous pouvez mettre vos aquarelles dessus. Ici, par exemple, les noires, elles sont hyper intéressantes pour les coliro. You see, the black ones are very interesting for the coliro. Pearl colors because they have wonderful colors on black watercolor paper and this is painted mixed media paper, so it's perfect. Voilà, ces aquarelles ont un effet vraiment très très joli sur du papier aquarelle noir et ici c'est du papier en fait mixed media donc qui peut être utilisé pour plein de médias donc ça va être génial, c'est génial. C'est génial, je sais pas combien de fois j'ai dit c'est génial mais c'est parce que vraiment c'est génial. Est-ce que vous avez un autre mot? Époustouflant, épatant, magnifique. C'est incroyable, vraiment incroyable. It's so wonderful, amazing. Ah, on a 2 anneaux en fait, c'est trop bien. Donc on peut faire 2 petits,
deux petits nuanciers comme ça. Je vais essayer de l'attacher. On va voir ce que ça donne. I'm going to try to attach it. This. So we'll see what happens when it's attached with the ring. Voilà, je vais les mettre ensemble, comme ça on va voir. Voilà, c'est trop bien. Vous pouvez mettre vos couleurs comme ça et vous choisissez sur votre page, vous mettez votre couleur. Tiens, laquelle irait mieux? You see, you can put your colors here and you put it on your page and you decide. Let's see which color would suit better on my page. It's absolutely wonderful. I don't have other words. It's absolutely wonderful. Thank you a million, Steph, for this amazing gift. Merci mille fois, Steph, franchement, pour ce cadeau incroyable. Je suis trop contente et je vais commencer tout de suite. I'm so happy and I'm going to begin immediately to fill my color swatch pages. Je vais commencer tout de suite, les amis. Je crois qu'il faut que je vous laisse là. J'ai des pages de nuanciers à compléter. Je vais en compléter quelques-unes en vidéo avec vous. Je ne vais pas résister à ce plaisir. I will complete some in video with you because I can't resist to do this with you. It will be such a joy to share this moment with you. Thank you so much, my dear friends, for following this video. Go to Steph Color's shop if you are interested with the personalized watercolor swatch book. It's not only watercolor, of course, it's other media, and you can also have a personalized swatch book of the color pencils, you know, the one I've showed to you in the previous video. Évidemment, vous pouvez aussi demander le nuancier crayon de couleur, parce que donc il y a deux sortes chez Steph, il y a le nuancier autre média et le nuancier crayon de couleur. Vous pouvez aussi demander le nuancier crayon de couleur personnalisé, hein. Ici, j'ai déjà commencé un petit peu à le remplir, je vais vous montrer. Voilà, celui-ci existe aussi en personnalisé. Donc, quand j'ai montré celui-ci en vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu le même, le Once Upon a Time. Et Steph en avait quelques-uns en stock, mais ils sont très vite partis. Donc, si c'est celui-ci que vous vouliez et que vous n'avez pas pu l'avoir, sachez que vous pouvez le redemander à Steph. De nouveau, ce sera peut-être pas exactement les mêmes illustrations, mais ce sera de toute façon le même thème. Et puis, avec le bon goût de Steph, franchement, même si vous n'avez pas les mêmes illustrations, vous aurez de toute façon une œuvre d'art. So, this is the colored pencils. Swatchbook. I've made a previous video about this, and you see this exemplar. Steph had made a few, and they were sold out very quickly because people who had watched my video wanted the same. So if you want this one now, you can order a personalized one to Steph Colors, and so she will make one to you. Maybe it won't be exactly the same pictures because, of course, it's handmade and you don't always have the same paper. But anyway, with the good taste of Steph Color, it will be a wonderful book. So here we are for the presentation of the personalized swatch book by Steph Color. It's absolutely wonderful. I know I've said it 100 times, but it deserves it, really. Voilà, il est trop génial. Je sais que je l'ai dit 100 fois, mais vraiment, c'est le mot qui convient. Ce nuancier mérite ce mot-là. Merci beaucoup, les amis, et je vous retrouve très, très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, bon coloriage, amusez-vous bien. Thank you so much, my dear friends, and I see you very soon for other videos. And until then, take care of you and happy colorings. Bye-bye.